vos noms. Je suis en train de lire. J'ai trouvé quelques petits coups de cœur. J'ai enregistré les noms. Enfin, j'ai screené les noms. Et si je choisis ce nom-là officiellement, sachez que la personne qui me l'a trouvé, elle aura un gros cadeau de ma part. Je suis fier, moi. Et tu sais. C'est chaud, ma. Coucou mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien les filles. Ce matin je me suis réveillée à 8h. Islam m'a réveillée à 8h, donc je me suis levée et tout. Je l'ai mis au sein. Il pleurait, il était un peu trop grincheux ce matin. Et en fait oui, j'ai dormi un petit peu tard hier. Je me suis dit il faut que je me repose puisque aujourd'hui j'ai un vol et tout. Et hors de question d'arriver à l'aéroport, je voyage seule. Tiffany me rejoint après, donc je serai pas avec lui. Donc les voyages, j'ai peur de l'avion et tout. Quand même bien reposée, donc je me suis rendormie jusqu'à là. Et là je vais aller chercher le petit déjeuner, je vais acheter des petits croissants, des petits pains au chocolat. Ensuite je rentre, je me lave, je me prépare, on se prépare ensemble, je boucle les derniers petits trucs que j'avais sortis de la valise, je les remets dans la valise et on y va. Concernant le nom, mes chéris, sachez que vous avez été d'une grande aide, d'une très grande aide. Alors j'ai eu le coup de cœur sur 6 noms que vous m'avez donné, donc sachez que j'ai tout noté. Tout est noté dans les notes. Je ne connais pas encore la gagnante parce que je n'ai pas encore fait mon choix, tout simplement. J'attends du coup de déposer à l'INPI, que l'identité visuelle de la marque soit faite, etc., etc. En tout cas, vous êtes les best. Je vous aime trop et je vous jure, wallah, que celle qui m'a trouvé le nom, enfin, celle qui à la fin je choisirai, je lui offre un gros cadeau. Dans les semaines à venir, là, je contacterai directement. J'ai pas envie de le mettre sur Snap. Remettre à la sortie, mais je contacterai directement la fille qui m'a aidé, qui m'a donné le nom, et je lui dirai t'as gagné ma chérie, voilà, t'as gagné, et je vous dirai le cadeau que je lui ai offert. Je barrerai tout et je vous mettrai sur Snap. En tout cas, merci monsieur. Je Allez, c'est parti les filles, on se fait un petit gâteau Jimmy. On se fait un petit gâteau Jimmy Smith, j'étais en train de tout préparer. Donc là, j'ai ma petite trousse à maille. En ce moment, j'utilise le Flawless Filter de Charlotte Tilbury que je tente, mais j'ai essayé de stopper. Donc le temps que ça fait les filles, franchement, on allait vraiment là, à ce niveau-là. Hop, voilà. Et pour créer. Et là, pareil, je... Voilà, bon, c'est parti les plantes. Je suis hyper... Vous en mettez vrai. Hop. On va voir si c'est fini. Donc là les filles, 11h. Franchement, j'ai un... Donc là les filles, j'ai laissé poser la poudre libre. Vous la laissez aller 5 minutes. Et on va retirer l'excès. Donc je vais vous dire les petites techniques. Parce que sachez que j'en apprends tous les jours au niveau du make-up. Alors... Au niveau du nez, avant j'avais tendance à faire un contouring exagéré dans le sens où ça ne m'allait pas avec la forme de mon nez. Je vous avais montré la technique, en gros c'était de faire un petit carré ici et de remonter. Sachez que quand vous avez un nez comme le mien, un petit peu large au niveau du bas, en fait il ne faut pas toucher en bas. Que ce soit highlighter, que ce soit produit stick, ça va l'élargir encore plus, ça je l'ai appris. En fait il faut juste toucher aux arêtes, vous faites juste les arêtes. Vous mettez un petit peu de poudre et regardez là les filles comment c'est, ça a tout changé, vous voyez. Voilà, donc ça c'était la première technique si vous avez un nez un peu large. Les autres techniques que j'ai apprises, ouais, donc pas d'highlighter à ce niveau là, juste un petit peu. Bon, d'habitude je mets un blush, Tristan si tu passes par là, c'est vraiment comme ça, je sais. Et du coup je vais venir en mettre comme au de la pointe, faut encore plus parce que c'est une... Le fait hyper rapidement. Donc en fait, louche, rafraîchissant, volume et légèreté. Je vais montrer. Donc ils ont sorti une belle hanche. Après demain, il n'y aura plus de grosses offres et tout. Enfin, c'est fini les soldes en gros. Donc là, c'est vraiment les derniers moments pour profiter des soldes. Je vais pas mettre cette robe, les filles, mais je vous remonte parce qu'on voit bien la différence. Ok, donc je vous remonte avec cette robe-là avant-après.
Bon, alors là, vous voyez, les filles, on est vraiment sans gaine, sans rien du tout. Donc, j'ai un petit peu de ventre, ok? Et les hanches, j'en ai, mais pas de fou, quoi. Donc, là, vous allez voir le après, ok? Alors, regardez-moi ce après. Juste incroyable, les filles. Donc là, vous voyez, ça, il n'y a plus le ventre. Tout est bien gainé, ok? Restructure complètement, donc franchement de manière très naturelle, on ne le voit pas du tout sous les vêtements, ça ne se voit pas du tout. Et du coup, vous voyez, ça gaine, ça... Ah, c'est le dernier. Donc voilà. Quand j'ai fait mon petit brushing, bon là j'ai mis mon shampoing sec, j'ai tout, hop, je vous montre ce que je fais, bon je vous ai déjà montré, mais j'aime trop faire ça. Hop, tac, tac, et vous voyez, ça vous fait un max de volume, et le shampoing sec il a l'air super bien, on dirait que franchement. Bon, du coup, les filles, j'ai mis mon petit ensemble Zara, vous vous souvenez? Regardez Zara, il est trop. Avec le. Ouais, je pense que je vais mettre. J'aime trop. Je vous fous de mon petit bébé. Les filles, a acheté cette petite paire-là pour son fils, bah, c'était quand? Il y a 3 jours. Il lui a pris celle-ci, elles sont trop belles, les mêmes. Comme ça. Les filles, tout à l'heure, je suis en train de finaliser les valises. Je vous ai un peu abandonné. Parce que, en fait, là, comme je vous ai dit, je prends tout. Vu qu'après, fin août, Inch'Allah, c'est direction Dubaï. Il faut vraiment que je prenne toutes mes affaires. Je vais une place pour ça, s'il te plaît, juste après. Le frais, nickel. Bon, les filles, dernier code Moscou de l'été. Ok, Moscou, c'est quoi? C'est ça. Bon, alors mes chéris, pour la conférence là, ça peut aller pour des fêtes et tout, j'ai posté la rentrée qui vont en décembre. Ça commence. Oh, le périple. Le temps, on part un périple. Regardez qui prend la vie avec moi, bah, Lady. Va y dire. Oh, alhamdoulilah, j'ai une aide. Va y dire, tu vas m'aider. On va tous aider. Allez, on va tous aider. Oran-Alger, Alger-Paris, des vols annulés. Voilà. Là, Paris-Oujda annulé. Enfin, voilà, en fait, le vol, il est surbooké. Et qui dit vol surbooké, dit il va être sûrement dans le prochain vol. Qui est mardi. Voilà. Donc, tu vas redormir à l'air. Non. Alors, je vous explique, je suis avec un poisseux. J'espère que je vais avoir un siège. Il est là, il a sa carte d'embarquement et tout, mais il n'y a plus de place dans l'avion. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse.